Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve pour le test sur Game Boy de Trip World, sorti en 1992 au Japon, 1993 en Europe, édité et développé par Sunsoft. Vous avez vu dans l'intro l'histoire de ce soft, en fait, c'est on incarne en fait une petite créature qui s'appelle Yakopu, qui est une créature de la race des Chabubu, une sorte de lapin, en fait, vous allez voir dans le jeu, c'est assez bien représenté par un lapin. Et dans l'intro qui reboucle là d'ailleurs, on vit sur la montagne, en haut de la montagne, avec notre grand-père, on est en fait une famille de gardiens de la fleur Maïta, qui est la fleur de la paix. Et un mystérieux personnage, regard noir, là, comme vous pouvez le voir, attaque en fait le grand-père et lui vole la fleur, tout simplement. Et donc du coup, dans le monde de Trip World, il n'y a plus de paix, les habitants se querellent sans cesse, tout le monde se dispute, parce que la fleur a disparu et le monde est troublé. Voilà, je vais faire un pitch un petit peu enfantin. Et donc, bah, Yakopu, notre héros, part à sa recherche, tandis que les habitants, bah, eux, continuent à se disputer. Et donc, ce qu'on va rencontrer, en fait, c'est les habitants du monde de Trip World, mais qui sont pas contents, en fait. Vous allez voir, ils sont pas très agressifs non plus, hein. Allez, c'est parti. On va lancer la petite partie. On démarre World 1, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de sélection du niveau de difficulté. Et là, en fait, on démarre sur notre maison, en haut de la montagne. Notre petit héros qui peut sauter avec A et donner des coups de pied avec B. Et c'est à peu près tout. Si ce n'est qu'on a différentes transformations, je vais vous en montrer une ici tout de suite, comme ça c'est fait. En appuyant sur O et action, non ça c'est saut, O et action, hop, on se transforme en lapin volant en fait. Et regardez, en bourrinant à la façon d'un track and field la touche d'action, on peut voler. Par contre on peut pas faire demi-tour, si on fait demi-tour, on retombe comme une pierre, on peut pas diriger sa chute. Donc ça c'est la transformation avion volant en fait. Donc pour redevenir Yakopu normal, il faut faire bas et action. Et si on refait bas et action, on se transforme en poisson. Seulement bah en poisson, à part faire ça, on peut rien faire. Donc ça, il faudra attendre d'être dans un milieu aquatique. Et alors les autres transformations qu'on aura, c'est la possibilité ici comme là de manger des fruits. Et cette transformation là, ça nous permet de jeter des graines sur les ennemis pour les immobiliser. Ils ont une fleur sur la tête et ils bougent plus. Et vous voyez que l'ennemi, hop, il me fonce dessus, il me fait rien là. Regardez, hop, je le pousse et tout. Là, je le pousse sur les pics, il va crever. Mais il me fait rien, en fait. Je peux le pousser, je peux sauter dessus. Il m'attaque pas, en fait. Il y a plein d'ennemis comme ça qui ne nous attaquent pas. Et sauf, par exemple, quand on... Il nous attaque, il nous blesse, mais on peut les... Vous voyez, lui, par exemple, il me fait une attaque avec sa queue, mais... voilà, par contre, j'ai plus d'attaque. Je suis obligé de lui donner des coups de pied. Voilà. Il me fait une attaque avec sa queue, mais sinon, je peux le toucher sans problème. Par contre, eux, vous voyez, les hérissons... C'est différent. Ça redonne de la vie, j'en avais pas besoin. Eux, là, ils me barrent le passage, mais je peux leur donner des coups de pied. Je peux pas les toucher, sinon je me fais piquer, mais je peux leur donner des coups de pied. Hop, ils tombent sur les pics. Donc c'est une particularité, hein, c'est qu'on peut pas se... Merde, attention, alors, je me suis fait toucher, bien sûr. Donc on a 4 points de vie et 3 vies. C'est à peu près tout. On n'a pas de continu. Continu qui seront bien inutiles. Hein. Vous verrez par la suite pourquoi. Alors lui, je vais le bourriner. Je vais pouvoir vous montrer la transformation en poisson. Donc hop. Voilà, en poisson, en appuyant sur saut, en fait, on peut nager, se diriger très, très facilement. Et hop, on peut lancer une bulle. On peut en lancer qu'une à la fois. Si elle est, tant qu'elle n'explose pas, on peut pas en lancer une deuxième. Vous voyez, là, je vais en lancer une. Et là, je peux pas en lancer tant qu'elle n'a pas explosé. Là, je vais redevenir Yakopu lapin. C'est pas vraiment un lapin, mais enfin, ça ressemble quand même beaucoup à un lapin. C'est un héros qui est à mi-chemin entre gimmick, que je vous avais déjà montré, qui est un autre héros de Sunsoft, et Kirby pour l'aspect transformation. L'aspect transformation et le fait qu'on puisse... Oh là, attention, lui, il est méchant. Lui, par exemple, il m'attaque avec son parapluie. Là, c'est peut-être un autre clin d'œil à Kirby. Aïe, je vais perdre une vie si ça continue. Par contre, lui, si je le tue, il me refile une grosse fleur qui remet toute ma barre de vie. Sachant qu'une fleur, ça remet un point de vie, en fait. Lui, je vais le bourriner, parce que lui, il me suit partout. Et il faut pas que je touche ces trucs-là, parce que ça me donne des coups, en fait. Hop. Là, il m'a poussé, là, il m'a pas fait mal. Il m'a pas tapé. Donc c'est un gameplay assez enfantin, volontairement assumé. Le premier boss, lui, bah, pareil, il me tape avec sa natte. Mais sinon, je peux le toucher sans problème. Hein. Je peux le... Vous voyez, là, bon. Je l'ai buté. Voilà, je lui ai donné des coups de pied, terminé. Le premier boss, très facile. Et la plus... Vous verrez que c'est un jeu assez facile, hein. Hop, et donc, bah, comme je vous le disais, on n'a pas de continu. Alors, on pourra ici choper un autre fruit. Lui, va nous faire transformer en balle rebondissante. En appuyant sur action, on rebondit un petit peu plus vite. Mais bon, il faut pouvoir avoir un petit peu d'élan. Mais vous voyez, je peux tracer comme ça, sans me faire toucher, sans rien.
Hop, ici pareil. Alors là par contre la transformation cesse. Ah non, j'ai chopé un autre fruit, oui. Un fruit qui rend petit. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait. On peut donner des coups de pied mais on est petit. Alors je sais pas, est-ce qu'on peut se faire manger, mais j'ai pas l'impression. Lui il se transforme en champignon et le champignon il nous fait rien. Voilà, donc c'est un jeu. C'est un jeu tout mignon, hein, comme vous pouvez le voir, le graphisme du jeu est vraiment très joli. Vraiment très joli avec des choses. Vous voyez ici les fleurs qui sont en avant-plan, le tronc en avant-plan, les décors en arrière-plan, c'est superbe. C'est un jeu qui est très joli. Hop là, alors le gros chat, lui, on sait pas trop ce qu'il veut. Il nous suit partout. Si je le. Alors si on. Tant qu'on. Vous voyez, on peut le taper. Et au bout d'un moment, il va nous foncer dessus comme ça, s'il est pas content. Et après, je crois qu'on peut plus le taper. Il est content. Bon, on va arrêter parce qu'il va me faire mal vraiment. Mais lui, il sert à rien. Et vous voyez, il peut nous suivre. Les ennemis peuvent nous suivre. Dans une certaine limite, ils peuvent nous suivre dans le tableau suivant. Par contre, là, j'ai perdu pas mal de vie. On va se transformer ici en. On allait dire en Kirby avion. En Yakupo avion. Et là, vous voyez, j'ai une transformation qui me permet de donner des coups de queue. Alors lui, il faut faire gaffe parce qu'il devient agressif si on le tape. Il est pas content. Hop, vite, vite, on se barre. Mais on peut donner des coups de queue comme ça. Ça, ce sera utile pour un mini-boss. Alors ici, par exemple, je peux pas mourir. Si je tombe ici, je retombe plus bas. Je peux tomber sur les pics, mais je peux aussi tomber en bas. Merde, j'ai loupé le passage secret, c'est pas grave. Il y a très peu de passages secrets. Hop, il y en a quelques-uns. Ici, une fleur qui me remet de la vie, comme si j'en avais besoin. Vous voyez, je peux faire ça. Sachant que les transformations, elles ont une durée limitée. Hein. Donc, il faudra s'en servir à bon escient. S'il n'y a rien. Bon, on trace, hein. Y a pas... Les niveaux sont globalement assez vides, hélas. Donc je vous disais, c'est un jeu qui est très beau. On arrive au boss. Donc lui va me balancer sa ceinture. Attention, putain. Lui me balance sa ceinture. Quand il se met à clignoter, faut se barrer. Il nous balance sa ceinture et il disparaît. Il faut attendre qu'il. Des fois, quand on descend, ça le fait réapparaître plus vite. On peut le bourriner, mais il faut. Ah ! Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment pas dur. C'est vraiment, vraiment pas dur. Pareil, je vous ai parlé de la réalisation graphique, mais au niveau des musiques, le jeu est bien aussi. Hein. C'est un jeu qui a une réalisation globalement correcte. Moi, j'aime beaucoup les musiques. C'est un jeu qui est très reposant de par son ambiance visuelle et sonore. Voilà, c'est un jeu qui prend pas la tête. C'est un jeu reposant, sympathique à l'œil et à l'oreille. Après, le problème, c'est quand même qu'il n'y a pas énormément de challenge, hein, quand même. Donc, vous avez chaque monde qui se termine, comme vous l'avez pu le voir, par un boss. Hop, là, ici, on va évidemment utiliser le poisson. Alors ici, une technique d'animation assez rigolote, c'est que tout ce qui est dans l'eau clignote. Donc ça donne l'impression de transparence. Ça aussi, c'est assez fort quand même pour le Game Boy. Et quand ça se voit quand on tue les ennemis, ils sont plus transparents. Ils sont éjectés, ils sont plus transparents. Vous voyez, pareil, hein, la petite méduse, là, la petite raie, là, je peux la toucher et il ne se passe rien. Des fois, on se fera surprendre parce que justement, on est tellement habitué à ce que les ennemis nous fassent pas mal que on se fera... Hop là. On se fera toucher. Ah si, je vais vous montrer un truc marrant. Les ennemis repop par contre. Hein. Mais bon, pour ce qu'ils nous font. Là, je vais redevenir Yakupo normal. Alors, vous voyez que je peux sauter plus haut dans l'eau, mais par contre, je suis très lent à me déplacer. Hein. Allez hop, je suis très très lent. Et par contre, si je me mets en Yakupo volant, hop là. Mais par contre, je peux pas me diriger mon saut, donc... Et je flotte en fait. Alors, faut que j'arrive à me retransformer. Voilà. Parce que normalement, on peut pas se transformer quand on bouge, mais ou quand on saute ou des trucs comme ça, mais dans certains cas, on y arrive. Hop, ici, on va redevenir normal. Alors ici, on va aller affronter ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un des seuls boss qui nécessite une arme, vraiment. Enfin, on peut le faire sans, mais c'est long. Je vais vous montrer. Il faut en fait la queue... Ah merde. Il faut absolument la queue longue portée. Il faut se dépêcher parce que l'arme a une durée limitée. On va aller voir ce boss. Ce mid-boss, hein. En fait, c'est lui. Et lui, si vous voulez, là, par exemple, si je reste à côté de lui, il fait rien, il reste dans sa coquille. Par contre, si je recule, il sort de sa coquille. Il faut rester à bonne distance. Et comme ça, après, on peut le faire sortir de sa coquille, comme ça, et le buter. Ce qui va permettre d'ouvrir un passage, ici. Hop, voilà. Alors, attendez, lui, je sais plus s'il me donne pas un truc, si je le bute. Espèce de truc, là. Parfois, certains ennemis nous donneront des bonus, mais c'est très rare. C'est très très rare. Là, je peux rien faire, forcément. Donc, vous voyez, ce qui est dommage avec ce jeu,
c'est qu'on a autant on a un gameplay très original, qu'on a pas mal de transformations, etc. Là, je vais aller récupérer de la vie. On a pas mal de transformations. Merde, on a pas mal de transformations. Pas mal de transformations, pas mal d'aptitudes différentes entre les transformations de base et les transformations de. Alors là, ici, il faut que je me mette en avion. Non, en avion. Je me trompe à chaque fois. Comme ça, je peux tracer parce que hop. Ah non, c'est pas là, c'est juste après. Je me suis trompé. Ici, il n'y a rien de particulier. Alors, faut pas choper ça, sinon après, on est emmerdé avec les ennemis. Et on ne peut pas se transformer en avion surtout. Comme ça, ici, hop, je peux tracer parce qu'il y a du vent. Il y a du vent qui vient en face de nous. Par contre, en volant, ça pose pas de problème. Par contre, faut pas oublier de se retransformer avant, parce qu'on arrive au boss. Hop, lui, il est un peu chiant, parce qu'il balance des boules un coup en haut, un coup en bas. Là, il a balancé en bas, bien sûr. Mais bon, lui, en fait, il a pas beaucoup de vie. Voilà, il faut le... En bourrinant, ça passe. Si on arrive avec au moins 3 points de vie, ça passe. Hein. Il n'y a aucun souci. Là, on arrive déjà au monde 4, sachant qu'il y a 5 niveaux seulement. Vous voyez, là, ça fait quoi? Ça fait même pas un quart d'heure que la vidéo est commencée, je suis déjà quasiment à la fin du jeu. Lui, ouais, il me fait rien, il me met sur ma tête. Donc c'est vraiment... Là, on va prendre la boule. Bon, du coup, la boule qui sert à rien. Hop. On peut pas attaquer, on peut pas se faire toucher en boule, donc bon. Faut pas trop à quoi ça sert, cette transformation. C'est encore une musique très rigolote, hein, très mignonne. Pire, si on n'arrive pas à passer, ici, ça va finir par s'arrêter. Hein. Hop. Alors, on fait encore un petit cran, là, hop. Voilà, là on promène en boule. Donc c'est un jeu court, très facile. Bon, à la fin, on va enchaîner des... on va enchaîner quand même des... hop, je vais essayer de le taper, comme ça, ce sera fait. Voilà. Je sais pas si je vais le retrouver en bas, non, même pas. Un jeu très court, très facile, même si à la fin, il y a une succession de... Vous voyez, ici, je peux soit monter, soit descendre. On va se mettre en avion, on va monter. Vous voyez, je peux passer en haut ou en bas. Merde. Hop. Mais non, pas le poisson. Oh là là. Ouais, ça aussi, c'est particulier, le fait d'avoir... au lieu d'avoir une seule commande, ils utilisent une commande... allez, retransforme-toi, voilà. Ils utilisent une commande... faut aller en haut ou en bas pour... selon ce qu'on... C'est comme si on avait une barre de défilement de pouvoirs spéciaux, en fait. Oui, on passe ici, mais ça va pas changer grand-chose, puisque là, on va arriver là. Bon, je vais aller récupérer de la vie, quand même, parce que... Merde, voilà, je vais récupérer de la vie, mais je vais en perdre. Mais bon, pour l'instant, vous remarquerez que j'ai perdu aucune vie. Hein. Donc vraiment un jeu facile. Hop, alors attention, lui, il est un peu chiant. Allez, les ennemis, hop, hop, hop. Ils ne m'attaquent pas. Ils foncent dedans bêtement, en fait. Hein. Par contre, là, j'ai loupé, hein, j'aurais pu passer là. Hop. Hop, mais c'est très mignon, regardez le gâteau qui se sépare en deux morceaux. C'est mignon comme tout. Ah, je sais plus s'il faut le prendre, ça. Bon, je vais le prendre, hein, tant pis. Hop, et là, ces ennemis-là, je les transforme. Je peux pousser les ennemis, je peux m'amuser avec. Bon, enfin, voilà. C'est un jeu amusant, mais franchement, challenge zéro, quoi. C'est dommage, hein, parce que quand vous regardez le jeu, comment le jeu est beau... Alors là, par contre, je vais arriver au boss, il me semble. Je vais pas tarder à arriver au boss. Mais ici, pareil, hein, ça glisse, ici. C'est pas exploité non plus, ça. Donc, on a le sentiment... Voilà, je peux immobiliser le boss. Et là, je peux pas le taper tant qu'il est en... avec la fleur sur la tête. Alors, L, hop. Voilà. Il faut la bourriner, éviter son souffle, et on recommence. Voilà. Sachant qu'elle nous... À la fin, elle nous foncera dessus, mais bon, concrètement... Rien de quoi. Et puis, elle fera deux fois. Ou trois. Voilà, donc là j'ai perdu une vie. Première vie perdue, hein, au quatrième niveau, à l'avant-dernier niveau du jeu. C'est quand même... on a fait quand même mieux comme difficulté. Donc moi ce jeu, je le trouve super mignon. Super mignon, c'est à découvrir, c'est excellent. Par contre, un ratage global au niveau de la difficulté, au niveau du challenge, au niveau de l'exploitation d'un gameplay pourtant prometteur. C'est dommage, moi quand j'ai vu ce jeu tourner, j'ai dit « Ah bah c'est bien ça, ça a l'air sympa, une espèce de Kirby gimmick là, ça a l'air sympa comme tout !» Eh ben ouais, mais non, mais non, mais non. On est sur un jeu qui est d'une difficulté très faible et très court. On va arriver au monde 5, dernier monde, où on peut en enchaîner quelques boss, donc je vais jouer un petit peu et puis on va se laisser là. Je pense que c'est pas nécessaire de vous spoiler le jeu.
Voilà, au moins laisser une petite part de mystère. Et encore la fleur. Voilà, hop. Mais c'est dommage hein, qu'ils aient été quand même assez loin dans le dans l'innovation dans le gameplay. Même s'il y a quand même des traits communs avec Kirby. Ils ont été assez loin dans l'innovation du gameplay. Ça, c'est un personnage, c'est une façon de représenter les personnages qu'on avait déjà vu dans Gimmicks. Ça ressemble, je vous l'avais dit, à l'oiseau de... L'oiseau noir dans... Albator, Captain Harlock. Ici, on va devenir petit, normalement. Ouais. Ah, ici, c'est rigolo parce qu'on devient petit. Et après, il y a des ennemis en... qui ressemblent à des chats. Hop. On va le voir et on se dit, peut-être, on est en souris, ils vont nous bouffer. Ouais, on va regarder, tiens. Tiens, tu me manges? Ah, il me donne juste un coup de pied. Je pensais qu'ils allaient me manger, mais non. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà, c'est un jeu qui se trace, mais franchement, c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, il y avait des possibilités. Et bah, ils en ont fait un petit jeu pour enfants, quoi, clairement. Alors ici, par contre, lui, il m'envoie un ennemi, ça fait, il fait mal, lui. Il m'envoie cette espèce de cube du taux, là. Ah, 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 voilà. Là, je vais arriver à un boss. Alors lui, il est un peu chiant parce qu'on est obligé de se faire toucher par les boules, là. Et donc, souvent, on perd une vie à lui. Et on reprend un petit peu avant, et en général, ça passe. Voilà, bah, merci à tous d'avoir suivi ce test d'un petit jeu qu'on aurait aimé plus long, plus difficile, parce que vraiment, graphiquement, c'est une réussite, même au niveau sonore, c'est un jeu qui aurait mérité que les développeurs fassent un truc un petit peu plus fouillé, un petit peu plus difficile surtout, un petit peu plus long. C'est dommage. Vous voyez, il y a plein de portions de niveau où il n'y a pas d'ennemis quasiment. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage, quoi. Voilà. Merci à tous, c'était Doc McCoy. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!